Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 8. Continuons notre aventure. Alors, il se trouve que, entre temps, je ne me suis pas entraîné pour une fois. J'avais beaucoup de boulot dernièrement, donc j'ai pas vraiment pensé. Du coup, on se retrouve avec un Angelo level 13 non EP. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Du coup, la dernière fois nous avions sauvé ce village parce que le roi était en deuil éternel depuis 2 ans parce que sa femme était morte. Et celui-ci ne voulait pas rouvrir le village, pas simplement le royaume, mais nous l'avons convaincu avec l'aide d'un personnage mystérieux quand même, hein, qui vient du monde au-delà du miroir. Et du coup, c'était assez spécial. Alors, est-ce qu'on a... Non, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour les personnes. Donc du coup, bah, on n'a plus qu'à nous en aller, en fait. Et poursuivre notre chemin. Des mondes gluants. Ça, c'est des monstres que j'ai déjà combattu plusieurs fois. Ça sert à rien de les taper plus que ça. Là, on reviendrait en arrière si j'allais par là. Elle donne quoi la map? Je suis là. Faudrait que je passe par là. Il y a peut-être des trucs là-bas. En vrai, je vais juste y aller à la simple attaque. C'est gentil ça. Toujours les mêmes bugs habituels à l'apparition des monstres. Comme j'ai dit, hein, je commence à regretter d'avoir pris la version 3DS au final. Descendre et par là. C'est horrible, hein. En fait, quand les monstres apparaissent un par un, ça va. Mais dès que je commence à tourner la caméra et qu'il y en a plein qui génèrent, bah, ça fout la merde. Je sais pas pourquoi je suis réflexe à la con. Je devrais rester pour entraîner Angelo.
Mais du coup... Si je vais parler... En parcourant une bonne licence, hein, tu devrais participer au prochain marathon de Trondheim. Je parie que tu feras une bonne course. Ah, c'est pas ça. Moi, je veux consulter. Ah oui, c'est Yangus qui veut qu'on aille faire un tour à Pickham. Au sud d'Ascanta. Ça fait une petite trotte, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est ça, il faut faire le tour pour regarder en bas. Je suis parti sur la droite, il fallait pas. Enfin, la gauche, du coup. Moi, j'ai tourné sur la droite en arrivant d'en haut. Et il fallait pas. Je me demande s'il faut passer par la plage carrément. Je pense pas. Ah, j'allais dire, je connais pas ce monstre. On est dans un nouveau secteur. Venez vous battre, j'ai besoin de vos données personnelles. Connaissez-vous NordVPN? Putain, le jour! Mais le jour! Pim pim NordVPN, mais tuez-moi! Devenu une énorme blague. Rien que pour la blague, je la ferai peut-être une fois. Si un jour on me propose. Mais. C'est quoi ce monstre? Des coréries, ok. Ils font mal. Enfin, ils font mal. Par rapport à mes PV, pas tant que ça, mais par rapport aux autres monstres que j'ai affrontés, ils font mal. En vrai, je suis sûr, il tape Angelo. Angelo, il fait pas de vieux os. Angelo niveau 14, ouais. La méga protection. Flèche de chérubin, très bien. En vrai, éviter les combats, c'est mieux pour moi. Je préfère avancer dans l'aventure et puis m'entraîner en off.
Du coup, on va aller rencontrer des gens bizarres, très bien. Sûrement les monstres nocturnes. Nocturnard. Des salauds. Ouf. Le gosse il s'en prend plein la tronche. Ils peuvent attaquer deux fois chacun. Très bien. Le temps que j'aurai pas de sort contre la confusion, je galérerai contre ce genre d'ennemi. Coucou à toi. Je suis syndrome. La sœur de tête. Ouais, il m'arrive très souvent de me mettre cette musique quand je marche pour aller au boulot. Je la trouve tellement bien pour ce genre de balade. Bon, et si on passait maintenant aux aptitudes? Tornade qui fait plaisir. Et ouais, mais même pas KO. Parfait. Bah, on va voir ce qu'est fait le... De quoi est fait le village de Ganges. Angus, at least you were right about something. No one here so much as bats an eyelid at me. So, the pub awaits. I'll go on ahead, and I wouldn't want to get in your way. You go and find this brains fellow. I'll be waiting for your report. Il est content que personne n'esquive. Bougez more like. Come on, Gov. Let's forget about him. And it, some of us have got to keep our minds on the job, eh? We got to find that Dalmagus.
Mais avant toute chose... Oh, le gars complètement bourré... Ah non. Un sans-abri. Qui seule envie c'est de rentrer là-dedans. Wanted. Ça doit être la prison. Était un as de la chimie, il connaît un bon paquet de recettes. D'accord. C'était un forgeron qui habitait ici. On dirait trop une mairie, une prison, le truc. Côte de maille. Oh. Un elfe ? Avec la nuit, il n'y a pas de vendeur. Hein. Casino. Ah. Ouais. Ça peut être vrai. Ok. Ça peut être marrant. J'aime bien les bingos, moi, perso. J'avais pas assez de jetons. Ah oui, faut que j'aille en acheter. Alors, on va prendre 300 jetons pour commencer. Je sais pas combien de jetons ça coûte de miser. C'est un jeton. Le 19, ok. Le 5. Mm-hmm. Le 12. La ligne du milieu, elle est pas mal. Oh. 23, dommage. Voilà, il me reste plus beaucoup de chance. Le 4. Ah! Faut le 20. 6. Dommage. Yes! Bingo! 1000 jetons. Allez! Eh, c'est vachement cool en fait. Yes! Bah, je mise les 100 jetons de nouveau. 23, ok. 5, ça commence bien en vrai. 25 et 4, il me faudrait. Eh, non. Ah. C'était trop beau, j'aurais tiré le 4, j'aurais fait ok, bon. Et voilà, x 25. J'aurais tiré le 4 tout à l'heure, ça aurait été hyper drôle.
2500 jetons. Allez! Je me fais des couillasses en or. Et là, du coup, c'est les machines à jetons simples. C'est ça. Donc en misant 5, ça allume tous les trucs. C'est ça. Dommage. Ça peut être marrant du coup. Vraiment marrant. Et là, du coup, c'est l'endroit pour échange. Le truc le plus cher, c'est 5000 jetons, je suis déjà à 3000. En faisant deux bingos. Alors, il nous faudrait l'auberge, qui est tout droit là. Là, c'est le bar. Rien de plus. Ok. Il y a un gars dans le coin qui achète des trucs payants comptant. Même des marchands fauchés. Son nom c'est Dave Lambrouille. Il peut lui en fournir. D'accord. Oh. On peut pas mettre son nez dans les affaires des autres. Et c'est exactement ce qu'on va faire comme dame. Bon, au moins il s'est habitué à sa nouvelle ville, papy. Sacré Youngus. Bon allez, allons dormir, c'est mieux de jour, hein. Et puis on a des PV à récupérer. Il y a peut-être des trucs à prendre. Non, mais on est à l'extérieur du coup. Ouais. Ouais, des trucs à casser au moins. Ok. Ah, on peut aller dans ce bâtiment là-bas. Je suis curieux. Oh. Madame. Ok. Petite recette. Brillance pour les nuls.
C'est important de dire jamais rien de précis lors d'une séance. Plus vous êtes vague, mieux c'est. Je ferai une clientèle moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Madame, faut qu'on parle. Y'a rien. Ok. Eh ben descendons. Et allons trouver ce doc du coup. Ah oui, avant j'ai acheté des armes et des armures. S'il y a de meilleures armures ici. Faut pas que je m'en prive. Armure de bronze, j'ai déjà. Cape de cuir. Je suis lancé ce qui est meilleur pour elle. Je les achète un par un, c'est mieux. Objet. Je me retrouve avec deux boucliers en fer. Gus, pareil. Jessica, pareil. Et Angelo, pareil. Et je vais peut-être me mettre quelques herbes. Non, remarquez, je dis quelques herbes médicinales, mais non. Maintenant j'ai les sorts de soins, ça me sert plus à rien. Alors, arc de chasseur, on prend. Une hache de fer, let's go. Et une lance sacrée, je n'en ai pas besoin. Alors la hache de pierre, on la transfère dans le sac, et pareil pour l'arc court d'Angelo, dans le sac. Voilà, j'ai meilleurs armes. Alors ensuite, il y a aussi la côte de maille que j'avais trouvée. Alors déjà, chapelet d'or. Montrer la sagesse. Je voulais voir l'armure côte de maille. Ok. Ok. On a combien de temps dans l'épisode? 30 minutes?
Allez, on continue. Bon, fou, on peut passer la nuit. Alors, Doc. Je me dis quel seul endroit où on peut le trouver, c'est là. Hein. Avec son chien. J'ai vu un chien. Mignon, le chien. Il a... Bonjour. Club secret de Pickham. Super de la virilité. Comme si le boyau cuisait l'étouffé de l'arbre. Ah, ils se mettent là en mode spa en fait. Douce odeur de sueur. Ouf. Je pense qu'il est par là, du coup. Le doc. Ça peut être une des deux maisons, en tout cas. Cambriolage, et bah tiens, je fais pas du cambriolage, moi je fais du vandalisme, c'est pas pareil. Vous perdez vos objets, mais pas parce qu'ils ont été volés en fait, juste parce qu'ils sont cassés. C'est horrible. Bonjour monsieur. Ah, c'est ça que j'ai trouvé, 60 PV ça donne, ok. Et du coup, Doc n'est pas là. Où est-ce qu'il pourrait être ce Doc alors? Par là, je peux pas passer. Je peux pas rentrer dans cette maison. Si, si, c'est... Ouais, c'est la même maison pour les deux. Ah ah, t'es surpris. Je suis passé. Peut-être par là, alors, le doc. Je peux rentrer là-dedans. Oula, c'est le bordel. De lapin. Ok. Je ne peux pas grimper. Ouais, non. Même en cliquant sur A. Au moins, s'ils ont une vie paisible, tant mieux.
bouse de vache. Ouais. L'item le plus important du jeu. Allez, juste derrière le comptoir de la... Oups. Ouais. Tu l'as disparu. Il a juste transféré le lit en face, le bâtard. J'ai un lit pour toi. Je te le rapporte dans 10 secondes. Attends. Il va... Non, j'en passe. Tiens. Voilà ton lit. Son nom m'a l'air un peu trop raffiné pour cette ville. Qu'est-ce que c'est ? Cet endroit me paraît un peu trop vide pour la ville. Madame ? C'est un mari, s'en sort plutôt bien, vous savez, le problème c'est qu'il dépense tout à la taverne. De rue des Mandigo. Du coup là c'est la chapelle et du coup bah Doc qui doit être au centre. C'est l'espèce de mer bah non c'est. Du coup ça disait d'aller derrière le comptoir. Bon, bah écoutez, on va. J'explorerai un peu plus la prochaine fois. J'ai peut-être loupé un endroit. J'ai peut-être loupé un endroit, on verra bien. Je vais sauvegarder. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tous, ciao, à plus. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de. Tout ça. Allez, salut à tous.